Bonsoir Joseph. Bonsoir David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Joseph Gott, Alors pour te présenter, je vais reprendre certaines infos que tu livres sur ton site josephgott.com. Tu es donc doctorant en communication politique en deuxième année de thèse et auteur. Tu veux mettre tes compétences au service d'un message engagé et porteur de sens. Concernant ton engagement, justement, donc tu es chrétien, fils d'un couple de pasteurs, et tu as commencé par lancer un blog intitulé Vivre sa jeunesse autrement, dans lequel tu partages ton regard de croyant sur le monde actuel. Tu as ensuite repris ce titre pour en faire un livre publié en 2019. Alors, le titre complet du livre, c'est Vivre sa jeunesse autrement, 20 défis pour ma génération. Joseph, Exact. est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cette Non, petite non, intro? ça me semble très complet. Tu veux passer au vif du sujet directement? Ouais. Alors, première petite question. Petite. Allons-y. Première question, Joseph. La vie a-t-elle un sens? Alors, c'est une excellente question. C'est une Merci. question que je me suis souvent posée moi aussi. J'imagine que si tu la poses, c'est parce que ça a été ton cas un jour. Moi, je me la suis particulièrement posée à l'âge de 18 ans, à une période de ma vie où on pourrait dire que j'avais pas mal accumulé des réussites, des accomplissements d'un point de vue personnel. C'était l'année de mon bac que j'ai eu avec la mention très bien. J'ai réussi à avoir une orientation post-bac qui était mon premier choix, une formation qui était assez sélective. À côté de ça aussi, j'ai eu quelques expériences avec notamment un sommet international de jeunes qui se sont retrouvés autour d'Angela Merkel. Il y a une petite photo ici, souvenir. Voilà, et puis aussi un peu plus. Un peu juste avant cette remise en question et cette question du sens aussi, une participation à la conférence de Paris de 2015, donc sur le climat. Et moi, jusqu'à présent, le sens de ma vie résidait beaucoup dans le fait de devenir quelqu'un, on pourrait dire, aux yeux de ce monde. Voilà, d'être quelqu'un d'important, d'accompli. Mais finalement, la sensation qui m'est restée après toutes ces expériences, quand c'est un peu retombé, quand ça s'est, voilà, j'ai réatterri, on pourrait dire, bah, c'est que j'ai eu une grande sensation de vide, de néant, de non-sens peut-être aussi. Vers Et quel âge? C'était vers quel âge, ça? 18 ans. Ok. 18 ans, donc je suis en première année d'études et je suis dans une formation en publicité en plus. Donc tous les jours, j'apprends en fait, on m'apprend à donner du sens, une raison d'être aux consommateurs au travers de leur consommation et des marques. Et on va dire que tout ce système-là, bah, d'une part basé sur mes accomplissements personnels et d'autre part basé sur le consumérisme. C'est quelque chose qui sonnait très très faux pour moi. Et donc, j'ai entrepris une quête, tout simplement pour trouver un autre sens à ma vie que dans ces deux choses-là. Et il y a une citation qui résume un peu le début de ma réflexion et qui est du romancier britannique C.S. Lewis. Et il dit la chose suivante, tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Et le constat un peu que j'ai fait à partir de cette citation, de cette idée, c'est que en fait, je recherchais un sens qui était un peu extérieur à la vie telle qu'on la connaît ici, à présent, et quelque chose tout simplement de solide, de durable, d'éternel, et quelque chose qui dépasse ma simple personne. Et voilà, je ne veux pas trop forcément empiéter sur les questions qui vont suivre, mais j'ai acquis petit à petit la conviction que finalement cette quête de sens, c'est en réalité une quête de Dieu, et j'y reviendrai. Et au fil de lecture, de voyage, de recherche, de discussion, je me suis plutôt reconnu dans la vision du monde chrétienne, et j'ai découvert dans cette vision du monde-là que le monde n'a pas de sens hors de Dieu, justement.
et que Dieu, il est quelque part notre concepteur et que lui seul peut nous communiquer précisément notre raison d'être en tant qu'humain. Et ce que j'ai pu découvrir dans la Bible, qui est quelque part un peu le mode d'emploi pour moi que Dieu donne à sa création et à l'humanité, c'est qu'on est créé par lui à son image, à sa ressemblance. C'est le livre de la Genèse qui nous le dit. Et on est créé du coup comme des êtres relationnels. Et donc, je dirais que le sens de la vie à mes yeux, c'est de vivre cette relation d'intimité, d'amitié, voire d'amour avec mon Créateur, de le mettre voilà, à la première place dans ma vie, de m'émerveiller de qui il est, de la création qu'il a faite, et voilà, de l'honorer dans tout ce que je fais dans mon quotidien, que ce soit mes études, mon travail, mes loisirs, mes engagements. Je crois aussi que la continuité de cette logique-là, c'est de que cet élan d'amour, on pourrait dire, bah, c'est de le partager avec d'autres humains de différentes manières. Et je crois profondément que vivre sa foi ou croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose de purement individuel. Et c'est voilà, une invitation à aller à la rencontre de l'autre et voilà, à une invitation au partage, que ce soit matériel, social, spirituel, des différentes manières. Merci beaucoup, Joseph. Comme tu as donné le sens que tu as donné à ta vie réside en Dieu. Je pense que la deuxième question tombe plutôt bien. On va essayer de faire un peu plus connaissance, en tout cas ce que toi tu en connais de ce Dieu-là. Deuxième question, Joseph. Dieu pour toi, c'est... Alors, Dieu pour moi, c'est le créateur de toutes choses, comme j'ai commencé à en parler, et c'est l'éternel. À mes yeux, c'est, et puis je base pas ça sur ma simple perception, mais sur ce que la Bible m'en dit aussi. Voilà, la Bible me dit que Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc, quelque part, la première impression que j'ai quand je pense à Dieu, c'est que c'est le tout autre. C'est une expression que beaucoup de protestants ont utilisée et je me retrouve bien dedans. On le voit assez facilement avec ce que je viens de dire, c'est que il y a quelque chose d'incompréhensible pour nous d'un point de vue humain, quelque chose qui nous dépasse, puisque voilà, le propre de l'humain, c'est de naître un jour, de mourir un autre jour. Et donc, comment on pourrait appréhender ce qui est éternel? Mais en même temps, Dieu n'est pas simplement le tout autre à mes yeux, mais c'est le Dieu qui s'est approché de moi, de l'humain, de l'humanité, au travers de la personne de Jésus-Christ. Et donc, je dirais que là, c'est quelque part un peu le contraste, voire le paradoxe de la foi chrétienne. C'est que finalement, en regardant à Jésus, à sa vie, à ses enseignements qui sont relatés dans les évangiles, bah, je vois l'image du Dieu invisible. Je crois que cet aspect-là, du message chrétien, en fait, est une réponse possible à la quête de sens qui traverse l'humanité. Il y a un bibliste du siècle dernier, Alphonse Maillot, qui résume bien ce que je pense à ce sujet. Et il dit la chose suivante, je vais lire. Dieu ne nous a pas donné un système, une sagesse pour résoudre les énigmes de notre existence, mais Jésus-Christ, l'existence E majuscule, seule répond à l'existence E minuscule. La sagesse n'est pas une pensée ni des concepts, mais une personne, Jésus-Christ. Donc voilà, ce Dieu qui est tout autre a souhaité devenir mon semblable, il s'est impliqué, il s'est engagé, et donc c'est un Dieu à mes yeux qui me rejoint dans mon quotidien et qui me fait aussi don, je crois, de sa présence. Et donc sa présence, bah, tout simplement, c'est voilà, une paix dans mon cœur, une pulsion de vie qui me donne envie de me lever le matin, c'est voilà, le sentiment de le voir à l'œuvre dans ma vie, au travers de petits détails, de petits clins d'œil. Et puis des rencontres dans mes décisions, mes défis, voilà, assez simplement. Cool, merci beaucoup pour cette belle réponse. T'en as assez dit sur Dieu? On n'en a jamais assez dit, mais... Non, bah oui, on pourrait écrire tous les livres du monde. Non, je pense que vraiment, je trouve c'est important ces deux points parce qu'il y a quelque part quand même quelque chose d'assez original. Dans cette conception de Dieu.
Voilà, et pour moi, c'est aussi ça qui m'a attiré vers la foi chrétienne, plutôt que peut-être une autre religion ou spiritualité. C'était, voilà, c'est ce Dieu incarné, ce Dieu tout autre et à la fois incarné. Et Ce Dieu qui va à la rencontre de l'humain, quoi. ouais, et qui est venu quelque part à ma rencontre. C'est ce que je crois en tout cas. Parfait. Merci beaucoup. Troisième grosse question. Une question je crois que tu t'es posée pour la première fois en plein cours de chinois. C'est ça. C'est ça? Oui. Exact. Troisième question, après la mort, stop ou encore? Bah écoute, merci déjà de poser la question parce que vraiment, je crois que c'est une question essentielle, la question de la finitude de l'être humain. Et j'ai l'impression qu'c'est une question qu'on veut un peu mettre sous le tapis souvent, en tout cas en Occident. Ces Et derniers temps, un peu moins, mais... un peu moins, exact. C'est peut-être un aspect positif qu'on peut tirer des successions de crises qui ont lieu. Mais c'est une question, en tout cas, moi, qui m'a accompagné toute ma vie. Donc, j'ai grandi dans une famille croyante pratiquante, comme tu l'as rappelé en introduction. Donc, dans ce contexte-là, la vie après la mort était quelque chose qui était affirmé assez clairement. Mais pour moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à concevoir ça. Et à chaque fois que je pensais à la mort, bah, je pensais à un néant infini après mon existence terrestre. Donc voilà, j'essayais de m'imaginer un peu, voilà, je m'éteins et puis c'est à jamais, voilà, enfin, c'est même indescriptible. Ouais. Et en fait, bah, ça m'angoissait profondément. Je ne pense pas que je sois le seul. Non. Mais voilà, cette question, cette conception du néant, elle a dominé chez moi, peut-être parce que c'était, j'ai l'impression en tout cas que c'était la manière dominante d'aborder la mort à l'école et chez mes amis de classe. Voilà, je n'ai pas eu d'éducation religieuse en milieu scolaire. J'étais plutôt dans un milieu voilà, qui était incroyant quelque part. Et. Mais voilà, tu l'as probablement compris, il y avait aussi une soif d'éternité quelque part qui m'animait et l'impression qu'il devait bien avoir quelque chose de plus à la vie que voilà, naître, grandir, travailler, vieillir et mourir. Et lorsque je me suis mis en quête de sens, je me suis mis en quête de Dieu, mais je me suis aussi mis en quête de réponse qu'il avait à me donner à ce sujet-là, donc au sujet de la mort et de l'au-delà. Et. Dans ce chemin et cette rencontre dont je parlais avec le Dieu de Jésus-Christ, j'ai découvert que la foi chrétienne avait pas mal de choses à dire sur le sujet et que du point de vue de cette foi-là, la mort n'est pas ignorée puisque c'est une réalité à laquelle on est toutes et tous appelés, destinés en tout cas, et que Jésus a lui-même expérimenté. Et je pense que c'est pas banal si voilà le symbole du christianisme, c'est une croix. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais on parle là d'un instrument de torture et de mise à mort. Voilà. Donc c'est vrai que la mort dans le narratif chrétien tient une place importante. Mais il y a une autre chose aussi qui est importante par rapport à ça et que nous racontent les évangiles, c'est que la mort physique de ce point de vue-là, n'est pas une fin en soi, mais le début d'autre chose. Voilà, on pourrait dire un déménagement quelque part d'une vie à une autre. Et cette idée-là est attestée dans les évangiles au travers de l'épisode de la résurrection, qui est vraiment ce témoignage que voilà, la vie est victorieuse par rapport à la mort et que c'est un destin qui a été initié par le Christ et auquel on est tous et toutes appelés, si toutefois, voilà, on souhaite y répondre favorablement. Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai vraiment cette certitude, ou en tout cas, cette forte conviction que ma vie, elle ne s'arrêtera pas le jour de ma mort, comme j'ai pu le penser. Voilà, pour autant, je ne peux pas forcément dire grand-chose d'autre. Voilà, ma connaissance sur l'au-delà est limitée. Mais ce que j'en sais, le peu que j'en sais, ça suffit à me mettre en confiance. Et je sais que bah voilà, je continuerai à vivre encore plus intensément et profondément
cette relation d'intimité, d'amitié, d'amour avec mon créateur et aussi avec sa création voilà, qui sera renouvelée. Et voilà. Parfait. J'attendais un peu cette réponse hein, venant Oui. d'un chrétien. Même si je dois dire que certains chrétiens m'ont surpris, Oui. mais bon, plutôt, plutôt, enfin, je pense que 95 voire 99% des chrétiens ont un peu la même réponse. Mais il y en a certains qui m'ont beaucoup surpris, notamment lors d'un entretien avec un chrétien, un protestant très libéral comme James Oui. Moody. Oui, je vois. Lui, après la mort, je t'inviterai à voir sa réponse. D'accord. Je C'est peux deviner, mais je ça peux fait bien. moins rêver. Ouais. Mais... Oui. Ouais, non, je pense que ça m'étonne pas. Je n'ai pas la prétention d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Non, non, Voilà, mais je me. ce qui est bien, c'est que bon, ça se rejoint, les réponses se rejoignent, mais chacun apporte une petite touche personnelle et c'est ce qui est intéressant dans ces réponses-là. Merci infiniment. On passe aux deux questions plus légères. Oui. La quatrième question, un personnage spirituel qui t'a marqué? Oui. Alors, je ne sais pas si ma réponse sera beaucoup plus légère, mais bon, déjà, ce n'est pas facile d'en choisir un, mais j'ai pensé à une personne en particulier que je juge avoir une foi assez remarquable et qui m'inspire pas mal. Et donc, je pensais à Dietrich Bonhoeffer. Tu connais peut-être, je ne sais Oui, pas. Ouais. Et. je pensais que tu allais citer Jacques Ellul, mais Ah ben, Jacques Ellul, j'aurais pu. J'aurais pu. Mais Jacques Ellul, c'est plutôt tous ses écrits, ses enseignements qui m'inspirent beaucoup. D'ailleurs, là, j'avais mis de côté la raison d'être ah, j'en ai juste avant. quelques-uns aussi hein, en stock. Ah, sympa. C'est toujours des bonnes références. Ouais. Et Dietrich Bonhoeffer, je l'ai découvert principalement par la lecture de sa biographie. Pas mal un gros pavé que j'ai lu dans le premier confinement et donc quelques éléments Son peut-être un peu autobiographie ou non c'est une Attends, biographie j'arrive. J'arrive. ouais C'est ça? alors non c'est pas celle-ci C'est pas celui-là. c'est Bonhoeffer Martyr, espion. Celle-là, c'est Frédéric Rognon et c'est Ouais. lui qui a pas mal aussi écrit sur. Qui a pas mal connu. Enfin, il ne l'a pas connu directement, mais un disciple de Jacques Ellul aussi. Oui, je crois. Ouais. Ouais, le livre moi, auquel je pensais, c'est Bonhoeffer, pasteur, martyr, prophète, espion. Injuste contre le Troisième Reich, et donc c'est Eric Metaxas. Bon, D'accord. voilà. Ok. mais bon, probablement qu'il y en a eu d'autres et qui sont tout autant de qualité. Voilà, c'est Dietrich Bonhoeffer pour ceux qui le connaissent moins. C'est quelqu'un qui est né au début du XXe siècle en Allemagne et qui est devenu pasteur après des brillantes études. Voilà, c'était quelqu'un d'assez impliqué dans le mouvement œcuménique. Donc, moi, ça me parle parce que ça me tient à cœur aussi. Mais ce qui m'inspire le plus chez lui, et peut-être ce qui fait aussi que j'ai choisi lui plutôt que Jacques Ellul, c'est que Dietrich Bonhoeffer, il n'a pas juste un brillant cursus et des livres bien écrits, mais il a un exemple par sa vie qui est fort, puisque durant la montée du nazisme, il a refusé de rester aux États-Unis où il avait déménagé dans le cadre de ses fonctions et donc de rester sain et sauf. Mais il a eu la conviction qu'il devait retourner en Allemagne et qu'il devait s'engager activement au sein de la résistance au nom de sa foi, de l'amour pour son pays, mais aussi pour le peuple juif. Et voilà, il s'est impliqué dans des activités d'espionnage et de désobéissance civile. Et voilà, comme vous pouvez l'imaginer, il a été assez rapidement interdit d'enseignement, de publication. Il a été ensuite arrêté en juillet 1944. Et quelques jours seulement avant de la guerre, il a été exécuté, pendu à l'âge de 39 ans.
après 2 années d'internement. Et Dietrich Bonhoeffer a beaucoup écrit dans sa vie sur ce que ça coûte de vivre en tant que disciple de Jésus. Et son exemple, je trouve que c'est justement une belle illustration de ça. Et ce n'est pas toujours évident de transposer ce coût-là à peut-être une vie d'occidentaux du 21e siècle, étant donné qu'en général, ben, voilà, on dispose de la liberté de croire dans nos pays, de pratiquer sa foi, de l'annoncer librement. Mais je crois que si on creuse, on peut aussi s'y retrouver et percevoir que ça reste un défi aujourd'hui d'être pleinement fidèle à ses convictions, ses valeurs, sa foi, quand ça peut nous coûter socialement, par exemple. Et voilà. Et puis peut-être pour conclure sur Bonhoeffer, je trouve que c'est un bel exemple aussi d'une personne qui a vécu une vie fervente et spirituelle, mais qui pour autant nous montre que ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher des questions politiques et sociales de notre temps sous prétexte de spiritualité. Et il a une phrase assez impactante qui dit, je vais essayer de me la remémorer, je crains que ce qui n'est qu'un pied sur terre n'est également qu'un pied au paradis, quelque chose comme ça. Donc pour dire que voilà, il ne faut pas juste s'échapper dans le spirituel, il faut aussi être engagé. Et voilà, ne pas trancher pour l'un ou pour l'autre, mais vraiment vivre ces deux réalités. Et voilà, et en effet, si on veut pleinement suivre Jésus, je crois qu'on est tous appelés à nous Mouiller le engager pour maillot, différents. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour différentes causes, on n'a peut-être pas tous la même sensibilité, mais voilà, au nom de notre foi, voilà, s'engager pour la justice, qu'elle soit sociale, écologique. Voilà. Parfait. On arrive à la dernière question. Cinquième question, le livre et ou le film que tu recommanderais à ton meilleur ami en perte de sens? Alors là, c'est pour le coup testé et approuvé, puisque c'est un petit livre que j'ai eu l'occasion de recommander, d'offrir à quelques amis dans cette situation-là. Donc, il s'appelle Rencontre avec Jésus, Rencontre au pluriel, et le sous-titre, c'est Des réponses inattendues aux plus grandes questions de la vie. Oui, Timothy Keller, ouais. Timothy Keller, donc voilà, qui est pasteur et écrivain états-unien, qui a beaucoup écrit et que j'aime souvent lire et écouter. Et justement, c'est un livre qui s'adresse tout particulièrement aux personnes sceptiques. Et c'est un livre que j'ai lu au début de mon chemin de foi, qui m'a beaucoup marqué, et dans lequel cet auteur, justement, revient sur les questions qu'on se pose tous un jour, comme celle que tu as posée aujourd'hui, et de souvenir ces 10 chapitres avec à chaque fois un récit issu des évangiles qui est commenté, qui est bien, dont l'auteur arrive bien à faire rejaillir des pépites qui peuvent nous aider dans notre vie d'aujourd'hui. Et voilà, à chaque fois, c'est souvent une rencontre de Jésus, donc tantôt avec une femme marginalisée, après avec un chef religieux, avec 2 sœurs endeuillées, enfin voilà, toutes sortes de situations. Et donc, voilà, avec toujours, en fait, voilà, cette possibilité de voir ce que peut-être nous, on n'aurait pas vu d'une lecture rapide et d'y trouver des applications pertinentes pour notre quotidien. Donc, voilà. Ça se lit facilement et puis je trouve ça profond et réfléchi, donc c'est un combo qui me va bien. Parfait. T'as pas un film comme ça qui te vient en tête? On n'a pas souvent des films cités, mais je me suis Non. dit peut-être que tu... Non. J'ai réfléchi, mais franchement, je pense que si c'est pas trop cité, j'ai cru déjà l'entendre parmi tes invités, mais c'est que je trouve que les productions cinématographiques avec une portée spirituelle sont assez rares et pas Ouais. toujours de qualité. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, j'ai des petites idées, mais franchement pas de Rien forcément qui de vaille la productif. peine d'être cité, quoi. Non, je pense que OK. le livre a été plutôt, c'est le format du livre est ce qui m'a le plus mis en quête de sens, et c'est là où j'ai trouvé le plus de réponses.
Même si, évidemment, je suis un fan aussi de cinématographie. Ça roule. Merci infiniment, Joseph, pour toutes ces belles réponses. J'espère qu'elles inspireront pas mal de gens qui nous écoutent. Et merci d'avoir donné ton temps aussi pour cette interview, hein, qui a failli être annulée parce que j'étais malade, mais finalement, c'est bon, on l'a faite. Oui, c'est dans la boîte. Non, Merci, bah. merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis. La semaine prochaine, ce sera un entretien avec Gabriel Agaï, qui est un juif orthodoxe. Voilà. Ça, il sera le premier qui sera sur cette chaîne. Donc, voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Joseph, et au plaisir. Plaisir. À À une bientôt. prochaine.